cet acte qu'il a posé ne peut pas rester comme ça dans les coulisses, raison pour laquelle, chers parents, merci encore parce que c'est votre éducation, c'est votre détermination à pouvoir le suivre, à pouvoir l'encadrer qui a fait qu'aujourd'hui, ce champion de l'intellectuel, c'est comme ça, et j'ai entendu sur les zones où il veut aller, je crois qu'on sera sauvé dans quelques temps au niveau de la santé. Jusqu'à la fin de mon mandat, je vous prends en compte. Merci, monsieur. Et nous allons l'accompagner de telle sorte qu'une fois de plus, non seulement il puisse rayonner, et je sais que rien qu'en regardant le père et la mère, regardez comment il sourit. Moi, il me plaît. La mairie, le conseil municipal et la mairie vont te remettre en plus de cela. Un ordinateur, Madame Sambal, pour pouvoir mieux encore travailler et exceller, parce que je sais que tu vas encore progresser, et que ton nom ne restera pas seulement au niveau de la commune de Bogoti, mais il ira loin. Déjà, à tout propos, je vous remercie de m'accueillir ici, ma famille, moi et mes institutrices. C'est un sentiment de joie et de fierté d'avoir prêté des mémoires en Côte d'Ivoire. C'était un objectif depuis que j'étais petit, c'est un objectif de gagner ce projet. J'ai réussi à gagner. Et je suis très fière.